where she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. When I see Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai fait mes vacances tranquille. Là je rentre à peine dans mon appart que j'ai loué, en fait j'ai loué un petit studio tranquille. Puis voilà, je vous invite à regarder un peu ce que j'ai loué là, c'est pas mal franchement. À l'entrée il y a une petite lave-machine, une petite machine pour laver mes habits, pour laver mon linge. Et puis voilà mon petit studio hein, de bonne qualité bien sûr. Là j'ai pris juste un petit sac tranquillement puisque voilà quoi. Tout à l'heure je vais ramener ma grosse valise avec tous mes habits et tout, là, il n'y a que des serviettes. Et puis voilà un petit studio tranquille où je vais faire quelques vidéos. C'est juste pour quelques temps, je ne vais pas rester hyper longtemps ici. Mais c'est là où je vais faire deux ou trois vidéos ici tranquillement. Comme vous avez vu, c'est quand même agréable, hein. Franchement c'est agréable, moi j'aime bien, il y a une petite cuisine tranquille. Vous allez certainement me voir faire une cuisine. Et puis là j'attends un ami qui va arriver tout à l'heure. Il va sûrement me filmer un peu en train d'être dans le logement tranquillement. Et puis voilà, vous avez vu, c'est très très bien. C'est en fait, il y a un petit... une petite machine à, comment ça s'appelle, pour un ventilateur. Et puis petite déco tranquille, c'est agréable, moi j'aime bien quand même le lien, c'est quand même bien. Une petite chaise avec une petite fausse plante, bien sûr c'est une fausse plante, c'est quand même une vraie plante. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut là, une petite claque tranquille, une petite table, les tapis, j'aime bien le tapis, hein, génial. Puis voilà, c'est assez agréable. Bon, j'ai entendu un peu des voisins qui font du bruit en haut, mais bon, je pense pas que ça va me déranger longtemps. Voilà ma petite cuisine. Pour le maté, je veux chauffer l'eau dans la comment ça s'appelle, dans la plaque électrique, parce que je ne bois pas vraiment du café, mais bon, je vais prendre mon maté, je vais faire chauffer ce que je veux faire chauffer tout à l'heure. Mais c'est quand même bien ici, hein, c'est quand même bien, hein, quand même. Il y a ce qu'il faut à l'intérieur là, regardez, il y a des casseroles et tout, il y a vraiment ce qu'il faut. Je suis quand même content, c'est la première fois que je loue un petit studio comme ça pour les vacances. Il y a les fourchettes et tout, c'est pas mal cette histoire. On va faire la vaisselle, la petite cuisine, tranquille. C'est assez agréable cette histoire. Ah. Puis bon, c'est vrai que j'ai pas regardé la salle de bain. Nous allons voir la salle de bain, c'est une salle de bain de bonne qualité. Ah. On va voir cette histoire. Alors. On a une heure. Bon, c'est pas mal, c'est une petite salle de bain de toute façon. C'est pas pour y passer toute l'année, c'est une petite salle de bain avec le kimonus. Petite toilette, tranquille. Voilà. Pour que je puisse laver mon corps, mon vieux corps, hein, je vais le laver ici hein, dans une petite salle de bain debout quand même. Hein. Debout, c'est pas mal. C'est quoi ce truc là? C'est quoi? Ah ouais, ça doit être sûrement pour les odeurs, sans doute, si je tue. Ah, c'est pas mal ça. Non, je pense que c'est agréable quand même. Hein. C'est agréable. Comme vous voyez, je suis bien là dans la vidéo. Voilà. J'attends qu'il y ait une personne vienne pour me filmer, parce que quand même, il faut qu'on me filme. Donc voilà. Mais c'est pas mal, franchement, ça va, c'est pas mal. C'est agréable cette histoire. Tapis pour les fesses. Une petite serviette. Là. Ok, c'est pas mal cette histoire. C'est quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, j'ai pas de cheveux, mais bon, voilà quoi. Si jamais j'ai des invités qui veulent sécher les cheveux. C'est calme, hein, puisque là je suis seul, là, dans mon petit studio tranquille. Et puis voilà, je suis en train de filmer. Ah, c'est la première fois que je loue sur un truc comme ça, c'est bien. Là on voit qu'il y avait des filles, puisque regardez, je vois une trace, une empreinte. Regardez, il y avait une fille ici, attendez. Je sais pas si vous voyez bien, il y a une trace d'un bisou. Il y a une fille qui a fait son bisou là. On voit pas très bien dans la vidéo.
Mais il y a une trace ici d'un bisou. Puis voilà quoi. Mais c'est pas mal ce studio, hein, il est pas mal. Un studio pas mal, c'est la première fois que je le loue comme ça, mais c'est vraiment agréable. C'est pas mal cette histoire. Ça c'est l'entrée, pour l'entrée. Après je vais pas vous montrer jusqu'en bas, parce qu'après vous allez savoir là où je suis. C'est une plante, c'est pour que je me repose, tranquille. Voilà, c'est là que je vais faire mes vidéos maintenant ici. Dans ce petit studio de bonne qualité quand même, c'est une bonne qualité. Voilà, j'éteins la lumière, voilà. La machine, ça, je vais m'en servir de cette machine. C'est parfait cette histoire. C'est pas mal ce studio. Voilà, mon ami est arrivé, elle est en train de me filmer en ce moment. Puis voilà quoi. Ouais, franchement, je suis satisfait. Hein. C'est magnifique, c'est bien. Pour un premier studio, je pense que c'est très très bien. Franchement, c'est quand même bien pour une personne. Hein. Moi, je sais pas ce que vous y pensez, mais pour une personne, pour faire des petites vacances tranquilles, je pense que c'est tranquille. Là, je vais aller faire des courses et tout. Je vais peut-être faire une prochaine vidéo en train de faire mes courses tranquillement. Et enfin, pas forcément faire mes courses, mais je vais acheter quelques ingrédients pour voir ce que je peux faire. Je vais faire un peu à manger, on va faire un peu la cuisine, je sais pas si vous en pensez. Je vais peut-être acheter de quoi faire une petite salade, je sais pas, je vais trouver une petite idée. Bon, après, il n'y a pas de four ici. Ce que je vois, il n'y a pas de four. On a qu'un micro-ondes et une plaque. Donc voilà, bon, y a un peu de bruit là. Les voisins commencent à faire un peu de bruit. Ça m'inquiète un peu cette histoire, ça m'inquiète un peu. Je l'avoue que ça m'inquiète un peu. Mais bon, ça va, c'est quand même assez bien ici quand même. Pour faire ma cuisine et tout, tranquille. Bon, je pense que c'est pas mal cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça marche bien ici. C'est pas mal ça cette histoire. Les voisins commencent à parler. Il doit y avoir des travaux ici, je pense. Il doit y avoir des travaux. C'est pas mal, ça, le micro, il marche bien. Il a l'air d'être propre. Bon, il est un peu crade, hein, un peu le. Moi je suis maniaque, un peu crade. Je sais pas, venez voir un peu. Il est un peu crade. Il y a un peu des petites saletés là sur le micro-ondes. Mais bon, je vais nettoyer ça, moi je vais nettoyer, parce que moi je suis quand même un peu maniaque. J'aime pas me mettre sur la saleté des gens. Mais bon, à part ça, ça va. C'est propre. Ça marche bien au moins ça. Ça commence, ça marche pas. Là, je pense. Voilà. Bon, ça va, ça marche bien. Ça marche bien. Et là, regardez, bon, on a des bols quand même de bonne qualité, tout est bien. Des verres et tout pour accueillir des gens. C'est pas mal cette histoire. Hein. C'est pas mal. Bon, il y a ça pour les enfants. Voilà, je commence déjà à casser les choses. On est cuit si je commence à casser les choses. Voilà. C'est pas mal cette histoire. Hein. Ah, c'est pour les vacances, ça part quoi, une semaine, on va dire. Pas pour longtemps, je vais rester là, tranquille. Voilà, semaine tranquille ici. Voilà, quoi. Après, je ferai mes vidéos, vous allez voir, je vais faire des vidéos avec le portable. Et puis voilà, sinon ça va, tout se passe bien. Ah, c'est pas mal, cette histoire. Hein. Déjà, c'est sûr, je vais me servir pour ça, moi. Comment ça marche ça? Ça marche pas fou? C'est pas possible ça, il doit y avoir un bouton pour que ça marche. C'est pas possible. Alors, comment ça marche? Ne me dites pas que ça marche pas. Ça marche. Je comprends pas, s'il y a ça, c'est que ça doit marcher, bon. Il faut que je trouve le problème. C'est peut-être pas la bonne prise. Ah ouais, c'est pas la bonne prise. C'est malheureux ça, hein, c'est malheureux quand même. C'est malheureux. Voilà, là c'est la bonne prise. Donc normalement, logiquement, ça doit marcher. Le ventilo doit marcher. Bah, c'est tout ce qui est. Parce que quand même, c'est bien enfermé. Si c'est petit, c'est enfermé. Donc là, ça doit marcher entièrement. Voilà, là on est réglé. Là, c'est sûr qu'on est bien. Voilà, c'est parfait ça. On va pas le faire trop bouger. Ouais, je pense. Il faudrait
pas qu'il se casse, parce que s'il se casse, on sait jamais. J'ai envie de payer des cautions, mais je suis pas là pour ça. Voilà, et c'est comme ça. Ah, il bouge. Comme ça, je vais laisser à peu près ici. Voilà. C'est juste pour laisser, ça doit faire du bruit dans la vidéo, alors c'était juste pour laisser. Bon, maintenant je vais éteindre. Voilà. Bon, je pense que tout marche, donc ça va. Bon, ben voilà, je vais... Maintenant je vais y aller, je vais faire quelques petites courses et on va faire peut-être la suite de ma petite vidéo tout à l'heure. Bon, ben je vais vous laisser. Et on se retrouve tout à l'heure pour... je vais vous montrer les peu de courses que j'ai à faire, que j'ai fait pour... commence à remplir mon frigo, des choses. Quoi. Il faut manger, quoi. Il faut mourir ce temps. Quoi. Donc je vais mourir. Bon, ben à tout à l'heure, je vous laisse. Hein. Je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure pour continuer la suite de la vidéo. Enfin. Salut. Le petit frigo qui est garni. Bon, j'ai acheté des escalopes que j'ai mis ici, en fait, que je les ai mis. C'est un moment que je les ai mis, c'est congelé. En fait, c'est des escalopes. C'est ce que je vais faire comme cuisine. Je ferai comme cuisine d'escalopes avec, je pense, ou avec des pâtes ou avec des pommes de terre. Je vais faire ça. Ce sera aujourd'hui ou dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ça. Là, c'est parce que j'ai mis au congèle. C'est pour ça que c'est comme ça, on voit pas bien la bande d'escalope. Là, j'ai fait des cordons bleus. Des petits cordons bleus. Bon, après, c'est la marque Auchan. C'est des petits cordons bleus que j'ai pris pas très très cher. C'est halal, hein, des cordons bleus halal. Moi j'aime bien manger halal, je mange beaucoup halal en ce moment. Et puis j'ai pris ça. Ça c'est des pommes de terre. Des petites boulettes de pommes de terre avec de la patate douce, on voit pas très bien. Voilà, avec de la patate douce. Vous verrez bien quand je vais faire ça, quand je vais faire cette cuisine-là. J'ai pas pris beaucoup de choses. Hein. Regardez. Là-bas, là il y a des pâtes. Hein. J'avais pas pris beaucoup des pâtes. J'ai juste un petit paquet de pâtes tranquille. Que je ferai, je sais pas quand, que je vais cuisiner des pâtes un peu. Et là il y a du sel, là, il y a du café. Pour le matin, si j'ai pas le temps, si j'ai envie de changer un peu de mon maté, j'ai envie de prendre du café, ou bien si je reçois des amis qui veulent boire un peu de café. Moi, ils ont moins du café. Et là, c'est des brioches pour le matin. C'est un chocolat et des brioches tranquille. C'est du sopalinda. Voilà, j'ai mangé un peu comme ça, les pieds, du sucre. Et puis le frigo. Alors le frigo. Voilà, comme vous avez vu, c'est des petites courses. Hein. Et je ne veux pas trop me casser la tête, parce que si je me casse trop la tête à remplir le frigo, après le jour de rendre l'appart, il va y avoir beaucoup de déchets et je ne suis pas vraiment motivé pour jeter beaucoup de marchandises. C'est pour ça que je ne sais pas quoi mettre, alors je mets que des yaourts, je voulais acheter de la salade, acheter des fruits et tout, et si je mange un fruit par jour, je ne mange pas beaucoup de fruits, etc. Et tout ça, après ça va rester, je vais devoir jeter, du coup voilà, c'est pour ça que vous avez vu, il y a un peu de tout. Il y a mon petit fromage, hein, j'aime bien prendre un fromage, hein, c'est un petit fromage assez simple, ça vient de la marque Auchan. Voilà, un petit fromage tranquille. Bon, après ça, je vous avoue que j'ai pas l'habitude de prendre ça, hein. Franchement je prends pas ça tout le temps, parce que c'est pas bon pour le cœur. Je bois plus de maté que ça, là c'était, j'avais envie de goûter un peu, boire ça un peu. Une boisson énergétique, mais j'en bois pratiquement pas du tout, hein. C'est pas tout le temps que j'en bois. Le beurre, j'ai pris du beurre assez simple, hein. Je suis pas très simple. J'ai pris juste ça parce que j'avais besoin du beurre pour mettre un peu sur le pain ou bien dans ma cuisson. Des fois, je cuisine avec au lieu de l'huile, un peu de beurre, tout ça, etc. Et puis là, c'est la salade de carottes que j'ai commencé un peu à consommer.
les yaourts, les bananes, que vous avez vu, que j'ai aussi commencé à consommer. Et puis voilà, les flans, et puis les œufs. Hein, je ferai très bien une dégustation d'omelette. Très bien, puisque c'est là il faudra que je les termine, ces omelettes. Ce sera dans les vidéos à venir. Et puis voilà, c'est pas très rempli. Hein, vous avez vu. Voilà, quelques consommations, je commence déjà à consommer certaines choses. Voilà, j'ai mis juste ça pour. Puisque souvent je mets de la mayonnaise, que ce soit sur certains produits, etc. Et du jus d'orange. C'est du jus d'orange, c'est pas forcément du jus d'orange bio, mais bon, c'est du Carrefour. Hein, c'est du jus d'orange Carrefour. Tranquille. La marque Carrefour. Et puis voilà, il y a un peu de lait. Un peu de lait et de l'eau. Tranquillement, un peu d'eau. Voilà. L'idée, quelques jus d'orange. Vous avez vu, c'est pas très rempli puisque. Comme je ne vais pas durer longtemps dans ce logement, alors je remplis pas très beaucoup le frigo. Voilà. Voilà, là, j'ai fait mes courses, je suis tranquille. Je suis en train de boire mon petit maté comme vous êtes en train de voir là. Comme d'habitude, hein, toujours le maté. Que ce soit la fin d'après-midi ou bien début d'après-midi, toujours un petit maté, c'est toujours du bien. Et puis voilà, je vous montre un peu mes courses. J'ai pas pris grand chose. Hein, avec mes petites fruits tranquilles, la petite salade de fruits, c'est bien. Ah, c'est bien. Ouais les amis, la vidéo touche à sa fin, comme vous avez vu là, c'est la fin de la vidéo. Là je vous parlais vite fait de cette belle journée qui vient de se terminer. Franchement ça va, c'était bien. À part j'ai aimé le toboggan avec de toutes les couleurs que vous m'avez vu tomber, dernier. Toboggan que. Parce qu'en fait, ce toboggan, ce qui était bien. En fait, il est pas mal, il est bien. Parce qu'il y a toutes les couleurs orange, jaune, vert, je crois qu'il y avait vert et rouge. Ce toboggan de toutes les couleurs, je l'ai aimé. Mais avant, ce toboggan, c'était pas ça. C'était en fait, il y avait deux toboggans. Il y en avait un qui avait une bosse et qui redescendait et un qui descendait direct. J'aimais bien celui-là avant, mais bon, c'est vrai que c'est mieux, ils en ont mis 4 de plus de toboggan. Et puis ça fait un peu plus mieux, c'est un peu plus joli. Et puis après, c'est quand même, c'est toujours aussi haut hein, le toboggan, franchement. Mais après, quand on redescend, si on ne prend pas bien de l'élan, comme vous avez vu, je me suis arrêté limite de devant les deux autres qui sont arrivés avant moi dans le toboggan. Mais sinon, après, j'aime bien celui-là, le toboggan, il est pas mal. Après, il y en a d'autres que j'aime bien. D'ailleurs, de toute façon, je ferai une autre vidéo à Aqualand. Parce que là, c'était ma toute première vidéo à Aqualand. Puisque, en plus, le problème, c'est que j'ai oublié mon produit. En fait. Enfin, j'ai oublié mon appareil photo. C'est pas l'appareil photo. C'est ma petite caméra, en fait. Excusez-moi. Je l'ai oublié. C'est ça que je devais filmer avec ça. J'ai filmé avec mon portable. Donc, du coup, la qualité n'était pas. Elle n'était pas trop au top, bon, c'est une qualité un peu vite fait. En plus que j'avais mis une espèce de bracelet, enfin une couverture de portable qui est contre l'eau. Donc ça a un peu joué sur la qualité. Mais c'est ce que j'ai oublié en fait, c'est cet appareil que j'ai oublié. Que je viens d'avoir il n'y a pas très longtemps, j'ai eu cet appareil en fait. Je ne sais pas très comment on s'en sert, mais je sais comment on filme, donc c'est déjà pas mal. Et puis du coup, je vais filmer avec cette caméra qui va sur l'eau. C'est une petite mini caméra qui vient d'avoir. Bon, je ne connais pas par cœur, je vais m'en servir pour la prochaine vidéo à Aqualand.
je vais filmer avec ça pour la prochaine vidéo à Aqualung et puis on verra la qualité, ce que ça donnera. Et voilà, je voulais juste vous faire parvenir ce message là puisque j'ai complètement oublié ça. C'est pour ça que au niveau vidéo, j'en ai fait pas beaucoup de vidéos, j'en ai fait quelques-unes parce que c'était mes premières vidéos à Aqualung. Et puis voilà, la prochaine vidéo à Aqualung, ce sera avec ça. Et je verrai si la qualité sera mieux et les vidéos peut-être sera mieux. Voilà, c'est ce que j'ai oublié dans cette vidéo là que j'ai fait. Et c'est vrai que j'ai pris ça aussi, que j'ai filmé avec ça. J'ai mis mon portable dans l'eau et tout. Et puis du coup, ça m'a coûté quand même 14 euros. Ça, en fait, c'est une poche pour mettre les portables. Et ça va dans l'eau, c'est étanche. Une petite poche avec un petit bracelet dessus. C'est pas mal, j'ai pris ça vite fait, puis c'était un petit dépannage. Parce que comme j'avais oublié ma petite caméra qui va dans l'eau, que je viens vous montrer. Et du coup, bah, voilà, c'est pour ça que je tenais quand même à vous le dire, que ma vidéo n'est pas ratée. Elle était quand même assez sympa, parce que ça a quand même filmé, même si la qualité n'est pas au top. Et puis voilà, comme vous avez vu, j'ai mangé des frites un peu grillées, c'était pas trop bon les frites. Mais la salade de fruits, j'ai aimé la salade de fruits, elle était assez sympa. Et puis le chanson aux pommes aussi était très très bon. C'est pas un des endroits là où je veux beaucoup aller manger, là vous avez vu. Et puis j'ai encore des places quand même, j'ai encore 4 places pour aller à Aqualung. Regardez mes places, elles sont encore là. Voilà, j'en ai 3. J'ai 3 places là. Et une 4e place là. Voilà, j'ai encore mes places pour aller à Aqualung. Et puis donc je vais aller à Aqualung dans pas très longtemps. Peut-être dans la prochaine vidéo ou dans l'autre prochaine vidéo. Dans une des prochaines vidéos, c'est sûr. Et puis voilà. Et je tenais aussi à vous dire que j'ai trouvé quand même 5 euros. 5 euros à Aqualung en marchant. C'était génial. Je sais même pas où je les ai mis, ils sont là. 5 euros que j'ai gagné à Aqualung. Pas mal. Merci Aqualung. Hein. Merci les gens de Aqualung. Hein. La personne qui a fait tomber son billet, il était plié. Il y avait quelqu'un à côté qui rôdait, qui regardait pas par terre. Du coup, moi, je les ai ramassés. Ça m'a fait petit 5 euros. C'est bien des vrais. Hein. C'est bien des vrais. C'est un vrai petit billet de 5 euros. C'est pas mal. Ça fait un petit cadeau de Aqualung qui m'offre 5 euros. C'est pas mal. Je suis un peu gâté quand même à Aqualung. Et puis, mes 4 places sont encore là. Je vais commencer à les consommer peut-être à la prochaine fois que je vais aller à Aqualung. Et puis voilà, mais ça va, franchement, j'ai aimé, ça s'est bien passé. Bon, il y a des toboggans qui n'ont pas changé, mais sinon, après, voilà. Dans l'ensemble, la journée s'est bien passée à Aqualung. Bon, ben, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera peut-être à Aqualung, ou peut-être pas, mais ça, c'est sûr que je vous en ferai une autre à Aqualung. Et il y a une autre vidéo que j'irai faire à la plage. Je vous dis pas, ça serait quoi, mais ça serait en bord de mer, c'est sûr. En bord de mer, excusez-moi. Je ferai un petit. Bon, c'est une surprise, une vidéo surprise. Quelque chose que j'ai jamais fait, que je verrai pour la prochaine. Pour la première fois, excusez-moi. Et puis voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et puis à plus. Salut les amis.